Bien le bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième semaine, déjà, du Black November 2023. J'espère que de votre côté, le challenge se déroule bien. Du mien, si vous avez suivi les vlogs, vous devez savoir que les deux précédentes semaines n'ont pas été de franches réussites. Non pas à cause des consignes, mais juste, je pense, à cause de mon choix de titre, de peut-être aussi mon peu de temps et de capacité mentale à accorder à la lecture, je ne sais pas, toujours est-il que ouais, j'ai pas fait des lectures qui m'ont vraiment embarqué et qui furent marquantes pour moi. Mais faisons table rase du passé et repartons cette semaine sur toute autre chose, puisqu'en cette quatrième semaine du Black November, la consigne est donc de lire des livres, des romans dont l'histoire est inspirée, tirée de faits réels ou de true crime. Je ne sais plus exactement comment Sève a intitulé la consigne, mais dans l'idée, c'était ça. J'avais donc prévu pour cette semaine trois romans, comme c'est le cas pour toutes les consignes. L'un qui est donc dernière sortie pour Wonderland de Ghislain Gilberti, je crois, qui revient sur la vie plus que trouble, dirons-nous, de Lewis Carroll. J'ai également prévu Un assassin au-dessus de tout soupçon de Ivan Stefanovic, qui retrace le parcours meurtrier d'un ancien gendarme, si j'ai bonne mémoire, qui a sévi dans les années 80, me semble-t-il, dans l'Oise. Et j'avais également prévu American Predator de Maureen Callan, et vous vous en doutez, avec cette petite tête de chat trop mignonne qui dépasse. Oui, c'est ma lecture en cours, c'est donc le tout premier livre que j'ai choisi pour cette semaine, et voyez-vous, on part plutôt bien cette semaine. J'ai donc débuté ce livre aujourd'hui, ce matin, ainsi que sur ma pause déj de ce midi. L'avantage d'avoir un enfant qui se lève très très tôt, c'est qu'on peut bouquiner un petit peu. Et j'en suis donc, ma foi, déjà pratiquement à 100 pages de lu sur un peu plus de 300, me semble-t-il. 372. Et bah, vous l'aurez compris, hein, ça se lit super bien. Alors ici, on est vraiment sur un roman... Alors forcément, hein, je pense qu'il y a une part un peu fictionnelle, mais l'auteur a quand même passé énormément de temps avec les véritables enquêteurs du FBI et autres qui ont traqué ce tueur, puisqu'on va revenir sur le parcours de Israel Keyes, qui était donc apparemment l'un des pires tueurs en série américains, alors que pour autant son nom est assez peu connu, même si j'aime pas trop le terme connu, mais bref, vous voyez l'idée. Donc au tout départ, on va suivre le kidnapping et la disparition d'une jeune fille de 18 ans qui s'appelle Samantha Koenig, qui travaille un soir dans une petite guérite où elle vend des cafés au bord de la route en Alaska à Anchorage. Alors dès le départ, on nous explique un peu le statut un peu particulier de l'Alaska, hein, par rapport au reste des États-Unis, et rien que ça, je trouvais ça hyper intéressant. Et on va du coup suivre les tout premiers enquêteurs d'Anchorage qui sont mis sur l'affaire, puis ensuite les personnes du FBI qui vont venir se greffer dessus. Et là, à peu près à la page 100, ils viennent donc de mettre la main sur Israel Keyes, qui nie tout, absolument tout. Et voilà, je ne sais pas exactement ce qui va en être pour la suite. Ce que je trouve très intriguant, c'est qu'au tout départ du livre, on nous met... je vais vous la trouver. Ah oui, autre petit point qui m'a forcément fait plaisir, c'est que le livre s'ouvre sur une citation de Sherlock Holmes. Déjà là, ça fleurait bon pour moi. Donc voilà, je vous disais au tout départ, je ne sais pas si vous allez bien voir, on a donc une carte comme ça des États-Unis, sur laquelle on va retrouver pas mal de points qui représentent, je crois, les villes dans lesquelles, eh bien, tout simplement, ce tueur a malheureusement sévi. Donc voilà, je suis vraiment curieuse de connaître un peu plus cette affaire. Et puis en plus de ça, Maureen Callan a vraiment, je trouve, une espèce de don de conteuse comme ça. Elle arrive à nous raconter cette histoire, ces enquêtes, avec un côté très roman à suspense justement, alors que
que dans ce type d'ouvrage, on peut très vite tomber dans une écriture extrêmement journalistique, très factuelle, parfois un peu froide et un peu lourde. Là, pas du tout, vraiment, ça se dévore comme un bon thriller. Alors comme je le disais, en contrepartie, c'est presque un peu déroutant parce que du coup, mon cerveau s'imagine qu'il y a pas mal de choses qui sont donc inventées, fictionnelles. Et en fin de compte, je pense pas, hein, mais ouais, c'est vraiment le ton qui fait penser à de la fiction et qui, je pense, me fait penser ça dans mon petit cerveau. Mais voilà, vous l'aurez compris, pour l'instant, c'est une très bonne lecture. Alors, une fois de plus, je ne vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué et me porter la choumoune. Désolée, ami vegan, pour cette expression qui n'est pas, je vous l'accorde, des plus classes, mais vous aurez compris l'idée. Et je vais donc attendre d'avancer un petit peu plus pour vous refaire un point. Mais voilà, pour l'instant, je croise les doigts, ça démarre plutôt bien. Et comme d'habitude, normalement, ce soir, l'amoureux n'est pas là. Donc j'ai bon espoir de me caler au fond de mon canapé et de dévorer pas mal de pages de ce bouquin. Et ainsi avancer, je l'espère, à vitesse grand V. Parce que si c'est le cas... Eh bien, ma foi, ça voudrait dire que cette semaine, je pourrais potentiellement lire au moins 2 livres de la consigne, et ce serait plutôt cool. D'autant que vraiment, les 2 autres romans que je me suis prévus, enfin les romans, c'est un peu compliqué parce que du coup, on est sur de la non-fiction, mais donc, les 2 autres livres que je me suis prévus me tentent aussi vraiment beaucoup. Donc ouais, je croise vraiment les doigts pour dégommer du bouquin cette semaine, et aussi du coup... vous fournir du contenu qui soit, je l'espère, un minimum intéressant. Sur ce, moi, ma pause déj va être terminée. Je retourne donc de ce pas travailler et potentiellement, je vous reprendrai ce soir. Voilà, en ce mercredi, pour vous faire un petit point. Alors, je ne vais pas vous refaire le laïus habituel qui explique qu'hier, je n'ai pas pu reprendre la caméra parce que, comme d'habitude, et pire que d'habitude même, la journée d'hier, côté travail, fut chaotique, mais vraiment, vraiment compliquée. Ce qui fait que, sincèrement, je n'avais ni le temps, ni l'envie, pour être tout à fait honnête, de filmer. Mais le soir, justement, pour faire une coupure salvatrice et m'évader l'esprit, vous vous en doutez, j'ai donc bien sûr pris mon livre et ma foi, j'ai bien avancé dans American Predator. J'ai passé, je crois, maintenant la moitié. Alors pour l'instant, on reste toujours sur ce même ressenti de départ de « Ok, c'est du true crime, c'est un livre qui, normalement, n'est pas... fictionnel, bien qu'au niveau de la narration on ait parfois l'impression d'être un peu dans un roman de fiction. Oui, c'est donc une histoire vraie qui est à glacer le sang. Je vous avoue que là, j'ai quand même passé des moments dans ce livre où non seulement on retrouve hein, le corps de Samantha Koenig, d'autres déclarations d'Israël Keyes qui sont... franchement, je vous jure, je crois que je suis restée pantoise devant mon livre en me disant « Mais comment un être humain peut-il dire et faire des choses pareilles ?» Je vous jure, c'est assez incroyable de monstruosité. Mais ce que je trouve génial, c'est que vraiment l'auteur a pris le parti pris justement
de ne pas du tout glorifier ce tueur. Bien au contraire, là, je viens de terminer un passage dans lequel le tueur, en gros, déclare qu'il souhaite qu'un minimum de choses fuitent dans les médias, qu'il ne veut pas être glorifié pour ce qu'il a fait. Et l'auteur, justement, suite à ça, écrit bien, mais comment, de toute façon, on pourrait dire et penser que ce genre d'acte immonde est quelque chose de glorieux? C'est juste impensable pour le commun des mortels, et pour autant, pour ce type de personne, ça semble ne pas te couler de source. Enfin, soit. Donc j'aime vraiment beaucoup le ton de l'auteur, la manière dont elle traite cette histoire, dont elle remet vraiment le tueur à sa place de tueur et de personne totalement dépravée et plus que nocive pour la société, et comment elle n'oublie jamais non plus de parler de la victime, des victimes, parce que dès le début on le sait, mais là c'est vrai que je rentre justement dans cette partie où on va parler des autres victimes. Et donc ouais, la façon dont elle n'oublie pas de remettre les victimes en avant, à leur juste place de victime, à leur rendre honneur quelque part. Bref, pour l'instant, Maureen Callan, pour moi, à tout bon. J'apprécie vraiment beaucoup cette lecture, même si, comme je vous le disais, il y a certains passages qui ont un petit peu du mal à passer. Donc vraiment, pour l'instant, Maureen Callan, pour moi, à tout bon. Ça se lit très bien, c'est intéressant, c'est vraiment la façon de narrer toute cette enquête est hyper bien foutue, hyper entraînante, même si, comme je le disais, attention, il y a quand même des passages vraiment ardos à lire, mais ça en reste, en tout cas par le ton de l'auteur, une lecture pour le coup plaisante, en tout cas à ce point de vue-là. Donc ouais, j'ai bon espoir de le terminer assez rapidement, et du coup peut-être de lire enfin une seconde lecture cette semaine. Je croise les doigts, mais je vous avoue que là, je commence à y croire un tout petit peu. Il suffit que je dise ça et vous allez voir que les prochains jours, niveau taf, ça va être le raz-de-marée et que je ne vais pas avoir de temps pour lire. J'espère ne pas me porter la choumoune. Donc vous l'aurez compris, l'objectif c'est d'avancer rapidement pour terminer ce qui reste. Je pense que la prochaine fois que je vous ferai un point, ce sera parce que je l'aurai terminé. Et je vous donnerai donc mon avis final, mais pour l'instant, cette quatrième semaine, ma foi, se passe plutôt bien. Bien, je vous retrouve une fois de plus dans ma cuisine, ça commence à devenir une habitude, cette histoire. Nous sommes vendredi matin, je vais présentement me faire un thé parce que ma voix, ça ne s'arrange pas, bien au contraire. Et aussi parce qu'en plus de ça, hier, je suis repassée faire un petit tour chez Palais d'été. J'avais envie de, vous savez, de ces petits thés réconfortants qui sentent l'hiver, la cannelle, les pommes, le sucre, enfin bref, je pense que vous avez compris un petit peu l'ambiance. Je n'ai donc pas été déçue, j'ai même carrément trouvé mon bonheur, donc je pense que ce matin je vais me faire ça. Bah attendez, je vais vous montrer tout de suite. Je suis donc repartie avec le thé des Alizés, qui n'est pas du tout pour le coup un thé un peu hiver, qui est un thé qu'on avait découvert il y a déjà un bon moment, mais que l'on aime beaucoup, donc voilà. Celui-ci, petit chouchou qui passe tout au long de l'année, je suis donc repartie avec. Quant à ses saveurs un peu automnales hivernales, j'ai donc porté mon dévolu sur deux choix, que j'ai du coup pris en format un petit peu plus petit. Le Jardin des Reines, alors celui-là c'est clairement le plus sucré, doudou, enveloppant, cocooning, tout ce que vous voulez. C'est une infusion gourmande sans théine, accord parfait avec un touron ou du nougat. Je pense que vous avez compris dans quel genre de thé on va se situer. Je sais pas si vous voyez un petit peu les morceaux qu'il y a à l'intérieur. J'aurais vraiment pas pu faire une YouTubeuse beauté, je vous le dis. Matez-moi un petit peu cet assemblage et je vous jure que l'odeur, elle est divine. Je suis donc assez tentée par me faire celui-ci ce matin. Et puis j'avais aussi pris un rooibos, le numéro 25. Évoque les soirées d'hiver et de Noël chaleureux avec des notes d'agrumes, de roses, d'amandes et d'épices. Thé bio-organique avec de la cannelle, de l'orange, du gingembre, du clou de girofle, du poivre, de la cardamome. Bref, on est
clairement dans l'esprit Noël. Celui-là, je me suis déjà fait hier. Et ma foi, il est plutôt bien passé. Beaucoup plus subtil au niveau des senteurs, mais on est tout de même bien bien là dans cette ambiance de fin d'année. Donc voilà, j'hésite pas mal. Je pense que je vais quand même tester le jardin des reines parce que je ne l'ai pas encore testé à la maison. En espérant vraiment que ça soulage ma voix. Parce que là, c'est assez compliqué. Ça m'a en plus de ça réveillé par une quinte de toux qui ne voulait pas passer cette nuit. Rajouter à ça Minino qui, depuis quelques temps, je ne sais pas pourquoi, se réveille une fois par nuit et n'est pas toujours simple à recoucher. Autant vous dire que je suis ravie d'avoir en ma possession de l'anti-cerne, parce que sinon je n'aurais clairement pas la tête que je vous présente là aujourd'hui. Et puis je vais aller bouquiner très peu de temps, mais là je vais m'accorder ça ce matin, parce que il me reste, je crois littéralement, 10 pages d'American Predator. C'est ridicule, mais je suis tellement fatiguée ces derniers temps qu'hier je tombais littéralement de fatigue et que je n'ai pas pu terminer ces 10 fucking dernières pages de mon livre. Du coup je vais vraiment torcher ça ce matin avant de me mettre à mon boulot. Du coup je pense que je vous reprendrai à mon avis sur ma pause midi pour vous débriefer un petit peu ce que j'aurais pensé globalement d'American Predator. Petit spoil, ça fleure quand même plutôt bon cette histoire. Et puis du coup, pour le reste de cette semaine, je vous avoue que je suis assez partagée. J'avais vraiment envie à la base de me lancer dans la lecture d'un autre livre que j'avais prévu pour la semaine, donc soit le dernier sorti pour Wonderland, soit Un assassin au-dessus de tout soupçon. Mais les deux sont tout de même assez conséquents en termes de nombre de pages, et chose qui n'était pas prévue, mais je l'ai appris hier, ma maman vient nous voir samedi et dimanche après-midi, normalement nous sommes à Lille pour aller voir le marché de Noël de Lille. Autant dire que ce week-end risque de ne pas vraiment être tout à fait propice à la lecture, donc j'ai un petit peu peur de m'engager dans une autre lecture qui serait trop conséquente et que je ne pourrais pas terminer dans ce vlog, donc je vais voir. Le mieux, ce serait de trouver un livre beaucoup plus court qui rentre dans la thématique de la semaine. Là, ce serait vraiment le scénario parfait. Je vais regarder après si j'arrive à trouver ça, mais vraiment sans aucune certitude. Sinon, peut-être prendre un autre livre qui, effectivement, serait plus court et pas forcément dans la thématique de la semaine, mais au moins ça vous fera un second avis lecture. Là, tout de suite, mon cerveau n'est pas assez réveillé pour trancher la question. Je remets ça à plus tard, et puis bah pour vous, à dans la suite de ce vlog. Bon, sur ce, je me fais monter, je vais bouquiner mes 10 dernières pages, et ensuite, j'embraye à fond les ballons sur le taf du jour, et je vous reprends dès que je peux dans la journée. Et non, ne me dites pas en commentaire que j'ai l'air fatiguée, croyez-moi, je le sais parfaitement. Toujours vendredi, et comme prévu, ça y est, je viens vous faire mon débrief concernant American Predator, parce que j'ai enfin pu terminer les 10 dernières pages qui me manquaient. Alors je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais c'est vrai que généralement j'ai toujours une petite appréhension avant de débuter ce genre de lecture qui repose sur un fait divers, sur des faits réels, parce que bien souvent, j'ai peur d'y trouver un style très froid, trop factuel, et on va pas se mentir aussi, un peu ennuyeux. Alors, il est certain que pour écrire ce genre d'ouvrage, il ne faut pas perdre
le point de vue journalistique est donc par définition aussi extrêmement objectif. Mais c'est vrai que je trouve que généralement, les auteurs de ce type d'ouvrage ont la fâcheuse tendance à assommer un peu le lecteur sous une montagne d'informations et à livrer parfois des récits assez alambiqués et difficiles à comprendre et à digérer pour une personne lambda qui n'aurait pas totalement baigné dans l'affaire en question. Or, je trouve vraiment qu'avec American Predator, Maureen Callan a réussi un tour de force qui est celui d'allier les qualités d'un roman de fiction de type thriller avec les qualités d'un récit journalistique. J'ai vraiment adoré le ton employé par l'auteur, la façon dont elle a décidé de retracer cette histoire, le rythme qu'elle a donné à son récit, mais aussi et surtout la place qu'elle a donnée à ce tueur et avant tout à ses victimes, et également la manière dont elle a traité le personnage, entre guillemets, d'Israël Keyes. D'ailleurs, Keyes, Keyes. Je prononce probablement très mal son nom de famille, je m'en excuse, oui et non, parce que vu le personnage, je vous avoue que je me fiche un peu de lui manquer de respect. Voilà, voilà, ça c'est dit. Mais donc, bref, je prononce Keyes tout en ne sachant absolument pas si c'est la bonne prononciation. Je m'en excuse auprès des personnes qui porteraient ce nom de famille. Malgré sa position d'auteur très, très particulière, parce que finalement elle est là pour raconter des faits, et bien malgré tout, parfois elle sort un petit peu, je dirais, de sa retenue journalistique pour faire part de son ressenti un peu plus personnel et rappeler, par exemple, je vous l'avais dit, que ce type de personne ne doit pas être glorifiée parce que leurs actes n'ont absolument rien de glorieux, et pour rappeler que ce sont aussi de véritables monstres psychopathiques. Et j'ai trouvé que c'était important de le faire et bienvenu, même si c'est vrai que c'est peut-être pas forcément ce qu'on attend d'une journaliste, mais en tout cas moi ça m'a plutôt plu. Parce que vraiment, Israël Keyes c'était l'archétype, je trouve, du tueur psychopathe, froid, sans aucun état d'âme, et en plus de ça, extrêmement calculateur. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé que dans ce livre, on s'attarde pas mal sur les études psychiatriques qui ont donc été faites sur lui, ainsi que sur le passé de cette personne. Et ce que j'ai trouvé vraiment génial, c'est qu'on ne tombe pas dans cette espèce de facilité, entre guillemets, qui serait de dire, bon, ok, il a une enfance pourrie, et du coup, il a totalement vrillé, et il est devenu le tueur qu'il est devenu. Non, on n'est pas du tout là-dedans. Alors, oui, clairement, il a eu une enfance très particulière, que personnellement, je ne lui envie absolument pas. Mais ça n'explique pas tout, loin de là, et je trouve que on arrive à entrepercevoir, au travers de quelques petits détails et éléments qu'il distille durant les entretiens qu'il a pu avoir avec les enquêteurs, qu'il a finalement toujours eu au fond de lui cette espèce de part de noirceur absolue qui n'a pour le coup rien à voir avec ce qu'il a pu vivre ou subir en étant petit. Je sais que la question du mal qui serait inné ou acquis est une question qui divise énormément les spécialistes. Et j'imagine assez bien que le cas Keyes a dû pas mal alimenter pour ça les discussions, parce que sincèrement je trouve qu'il y a beaucoup à dire sur le sujet en prenant en référence cette personne-là. Attention par contre, je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais c'est vrai qu'il y a tout de même quelques passages dans lesquels on explique ce que Keyes a pu faire subir à certaines de ses victimes, ainsi que d'autres dans lesquels on va venir décrire certains corps qui étaient vraiment très difficiles à lire. Je vais pas vous mentir, il y a des détails dans ce livre qui sont importants hein, pour comprendre l'espèce de, j'ai pas envie de dire d'animalité, mais vraiment de brutalité, de violence absolue et de besoin de contrôle et de destruction qu'avait profondément ce type en lui. Mais j'avoue qu'en tant que lecteur, on se serait un peu passé ces détails-là. Disons que ça peut créer certaines images mentales auxquelles
J'imagine tout à fait que tous les lecteurs n'ont pas forcément envie de se confronter. Alors on parle bien sûr beaucoup de Samantha Koenig, qui était donc la dernière victime de K.S. et qui est celle grâce à qui il a enfin pu être arrêté, et qui est par conséquent le début de cette enquête complexe et tentaculaire qui va demander aux enquêteurs de reparcourir chronologiquement la vie et les déplacements de K.S. pour arriver à identifier toutes les victimes de ce tueur en série. J'ai vraiment apprécié que Maureen Callahan remette régulièrement dans ce livre Samantha sur le devant de la scène, qu'elle rappelle aussi sa position de victime à elle et à sa famille d'ailleurs, et également qu'elle rappelle la jeune et belle personne pleine d'avenir qu'elle était. Ce que j'aurais peut-être aimé, c'est qu'elle s'attarde du coup un peu plus également sur les autres victimes, en tout cas les autres victimes connues de K.S. Sur la fin, et c'est je pense mon seul gros bémol entre guillemets de cette lecture, c'est que j'ai ressenti une certaine forme de frustration. Je trouve que la fin se termine un peu abruptement. J'avais vraiment envie qu'on creuse encore plus, qu'on ait plus d'infos par rapport à cette affaire, aux suites qu'elle aurait, aux victimes qu'on pourrait encore identifier. Alors non, je sais, l'auteur n'est pas totalement responsable de cette fin un peu abrupte, puisque cela s'explique en grande partie tout simplement par la réalité des faits, le fait que malheureusement on n'aura jamais aucune certitude quant à la liste exacte des victimes de ce tueur. Mais malgré tout, j'ai trouvé que sur la fin, il me manquait un petit quelque chose pour venir clôturer convenablement ce récit. Il aurait été difficile, hein, j'en ai bien conscience, d'arriver à écrire un livre qui soit plus complet que celui-ci, je pense, parce que tout simplement, K.S. se livrait très peu. C'était pas du tout le genre de tueur psychopathique qui aime parler et se vanter de tout ce qu'il a fait, comme ça a pu être le cas pour d'autres tueurs en série. Hein. Là, malgré la patience et le travail vraiment des enquêteurs, il n'a au final livré qu'une toute petite partie de ses actes et de ses secrets, et vraiment ce que lui avait pleinement envie et conscience de partager. C'était vraiment un type qui était dans le contrôle à l'excès, et du coup malheureusement, forcément, ça se ressent dans les entretiens qui ont suivi son arrestation. Il est fermé, et en plus de ça, il est vraiment sournois et fier, et par conséquent, il ressent vraiment une énorme fierté et même une supériorité dans le fait de mener les enquêteurs en bateau et de les faire patienter, mais littéralement pendant des mois, c'est insupportable. Vraiment, ce type est abject, était habité par des démons incroyables, et le pire, c'est que hier soir, du coup, je suis allée regarder sur Google pour voir la tronche de ce type, hein, dont je lisais l'histoire depuis quelques jours, et vraiment, à le voir, c'est Monsieur Tout le monde. Après avoir terminé cette lecture, je comprends désormais beaucoup plus pourquoi cette histoire et celle de ses victimes sont aussi peu connues et ont été aussi peu médiatisées. En partie, ou grâce au tueur tout d'abord, parce que tout simplement il avait fait en sorte de négocier qu'un minimum d'informations fuitent dans les médias, et aussi tout simplement parce que, comme je le disais, il livrait au final très peu d'éléments, mais également en partie, je pense, à cause de l'État, du gouvernement lui-même, parce qu'on se rend bien compte à la lecture de cet ouvrage que malheureusement, toutes les personnes de l'État en charge de cette affaire n'ont pas toujours été irréprochables, n'ont pas toutes agi pour le mieux et dans l'optique vraiment de faire éclater la vérité. Loin de là. Il y a eu vraiment des ratés dans cette affaire, et j'imagine totalement donc que le gouvernement n'avait pas intérêt à ce que tout cela s'ébruite. Vraiment, je trouve que tous les aspects traités dans cette affaire par Maureen Callahan étaient extrêmement intéressants. Le propos était juste et complet, et le ton employé pour moi était vraiment parfait. C'est donc une lecture que j'ai vraiment adoré faire malgré les atrocités qu'on peut y lire, et qui aurait pu pour moi être parfaite
si la fin avait été plus étoffée et moins abrupte. Je ne sais pas encore si Maureen Callan a écrit d'autres choses, si elle s'est penchée sur d'autres affaires, je vous avoue que je ne me suis pas encore renseignée, mais si c'est le cas, c'est certain que je la relirai à nouveau parce que vraiment j'ai trouvé qu'elle avait fait un super taf avec cet ouvrage. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Si vous aimez les true crime, vous l'aurez compris, c'est très clairement un livre que je vous recommande sans problème. Et puis, bah, autant dire que ça remonte un peu là mon enjaillement au niveau du Black November parce que on est quand même en gros contraste avec les deux semaines passées durant lesquelles j'avais fait des lectures qui n'étaient vraiment pas folichonnes. Or là, franchement, je le répète, hein, malgré les horreurs que l'on peut lire dans certains passages, j'ai trouvé vraiment cette lecture palpitante, entraînante et très bien foutue. Donc ouais, pour l'instant, c'est une quatrième semaine vraiment très réussie. Et puis je vous le disais ce matin, hein, j'hésitais vraiment à la suite que j'allais donner à cette semaine niveau lecture, puisqu'à partir de demain, je vais être beaucoup moins disponible. Et finalement, ce midi, j'ai tranché. Et donc, j'ai décidé tout de même de sortir un second roman que j'avais prévu pour cette semaine, qui est donc Un assassin au-dessus de tout soupçon, d'Ivan Stefanovic, qui retrace donc l'histoire d'un tueur qui a sévi dans l'Oise, qui était un gendarme. Je connais déjà les grands traits de cette affaire parce que j'en ai déjà entendu parler à la télé, entre autres. Alors là aussi c'est un livre qui fait à peu près 200, ouais, un petit peu plus de 250 pages, mais j'ai tout de même décidé de le lire parce que tout d'abord, je sais pas si vous vous rendez compte, mais la police d'écriture est assez grosse, donc voilà, je me dis que ça devrait être tout de même lu assez vite, et puis parce que vraiment j'étais beaucoup trop curieuse de me plonger dedans parce que, bah, comme je l'ai déjà dit, en fait toute cette histoire se passe pile au cœur de là où j'ai grandi. Je sais pas si vous voyez là cette carte qu'il y a au début avec cet imbroglio là de lieux dans lesquels il y a eu donc des vols, des attaques, je pense, à main armée, des agressions, voire peut-être des meurtres, je ne sais plus exactement. Bref, tout ça pour dire que là, c'est le méga bordel, et que où je mets mon doigt, c'est où j'ai passé 18 ans de ma vie. Autant vous dire que ça fait vraiment très bizarre de lire ça, parce que, bien sûr, tous les lieux cités me parlent totalement, donc je visualise tout, d'ailleurs j'ai même mis un petit post-it là, vous le voyez, parce que à cet endroit-là est cité le petit bled où je vivais avec mes parents. Et je peux vous dire que c'est vraiment pour le coup une ville qui n'est pas très très connue, donc lorsque j'ai vu ça, je me suis dit « Ah ouais, quand même !» Bref, je sais pas vous, mais moi ça me fait toujours bizarre lorsque je retrouve dans mes lectures des lieux que je connais, voire que je fréquente, je sais pas, ça rajoute vraiment une dimension particulière et très personnelle à la lecture. J'ai du coup commencé ce midi, j'en ai lu une cinquantaine, ouais, je suis à la page 47, donc vraiment je suis pas très très loin, mais comme je le disais, hein, ça se lit plutôt bien, plutôt vite. Alors, au niveau de la narration, on n'est pas sur quelque chose que je trouve aussi fluide et addictif que American Predator. Là, on est pour le coup sur un type de récit journalistique plus classique. Mais ma foi, ça m'intéresse tout de même, ça se lit tout de même bien. Donc voilà, j'ai bon espoir d'arriver. Je croise les doigts à le dégommer d'ici dimanche soir. Sur ce, je vais donc retourner à mes occupations, retourner aussi à mes quelques mails que je dois encore envoyer. Et puis, si tout va bien, normalement, vous et moi, on se retrouvera, je pense, face cam, peut-être demain. Nous sommes samedi, je suis actuellement bien bien enrhumée et je vous reprends très vite fait avant d'enchaîner sur le reste de ma journée pour vous faire un petit point lecture. Parce qu'hier, je vous disais que j'avais finalement pris la décision de débuter la lecture de Un assassin au-dessus de tout soupçon. Et, bah ma foi, j'ai pu pas trop mal avancer dedans. T'es d'accord, Suze? J'ai pas trop mal lu depuis hier. Alors, je vous cache pas que ça va être un peu chaud patate quand même pour le terminer avant dimanche soir, étant donné en plus de ça le week-end un peu chargé que je risque d'avoir. Mais ma foi, j'ai déjà lu 150 pages, alors
Une fois de plus, c'est le genre de, d'histoire qui se lit bien et facilement, même si, comme je le disais, hein, là, on est quand même sur un style narratif qui est, je trouve, moins efficace et beaucoup plus classique que le American Predator. Je suis désolée pour ma voix, vraiment, entre mon nez et ma voix. Ça y est, là, on est clairement dans cette période de fin d'année, synonyme de microbes, de froid et compagnie, qui n'est clairement pas ma saison préférée de l'année. Soit, donc, comme je le disais, là, on est vraiment sur un schéma narratif beaucoup plus classique, et en même temps, il y a un petit côté, je trouve, très romancé dans la façon de raconter cette histoire, qui me dérange un petit peu. Je me suis fait couper la chic par ma batterie. Je disais donc qu'il y a dans cet ouvrage, au niveau du ton, par moments, je trouve un côté assez romancé qui me pose un petit peu problème. Par exemple, on va avoir des passages dans lesquels on nous raconte, ou plutôt, je trouve, du coup, on imagine la vie de, comment il s'appelait là, Alain Lamarre ? Ouais, c'est ça. Vraiment, je vous jure, j'ai un problème avec les prénoms en ce moment. Ça ne veut pas s'imprégner dans mon cerveau. Donc on a beaucoup de passages où on nous raconte les allées et venues de ce type, la façon dont il vivait chez lui, des moments où il campe seul dans les bois ou d'autres où il est seul chez lui. Donc forcément, ce sont des passages qui ne peuvent être qu'inventés parce que, j'ai envie de dire, personne n'était là pour le voir et attester de la véracité de ce qu'on nous raconte. Du coup, contrairement à American Predator, c'est vrai que je le lis plus comme presque une œuvre de fiction, alors que je sais pertinemment au fond de moi que cet individu a existé, hein, et en plus de ça, alors heureusement, j'ai envie de dire, c'est contrebalancé par le fait que l'histoire se déroule dans des lieux que je connais parfaitement bien, donc ça permet de dans mon esprit, de ramener un petit peu ça dans le réel, mais c'est vrai que le ton, je trouve, donne un côté très fictif, là où dans American Predator, vraiment, on avait ce côté où on était plongé dans l'enquête, je trouve qu'il y avait un côté beaucoup plus réel et beaucoup plus tangible que dans ce roman-ci. Après voilà, clairement pour moi il sera, je pense, moins réussi qu'American Predator, c'est même certain. Mais comme je le disais, ça ne reste pas moins intéressant. Et puis même si la plume n'a rien d'extraordinaire, hein, ça reste quand même agréable à lire. Il n'y a pas de souci, c'est hyper abordable. C'est dans l'ensemble tout de même plutôt fluide. Même si parfois je trouve que bon, y a des passages qui ne seraient pas forcément tout à fait nécessaires. Donc voilà, je vais essayer d'avancer un max ce week-end. Et puis bah, comme d'hab, hein, dès que j'ai un petit peu de temps et que j'ai avancé dedans et que j'ai des choses intéressantes à vous dire, bien sûr je vous reprends. Clôturer ce vlog depuis
mon petit spot habituel, dirons-nous, devant mes bibliothèques. Parce qu'il était vraiment grand temps que je le fasse, puisqu'aujourd'hui nous sommes mardi 28 novembre. Et si je n'ai tout simplement pas pu clôturer ce vlog avant, c'est parce que vous l'aurez sûrement vu. Ce week-end a été pas mal chargé en termes de visites à la famille et d'événements noëlesques, hein, puisque nous avons donc installé notre premier sapin à la maison. C'est la première année que l'on en fait, hein, puisque ça y est, Mininou est assez grand pour comprendre un petit peu tout ce qui se passe. Et puis dimanche, nous sommes également allés faire un petit tour au marché de Noël de Lille. Autant dire que ça y est, les festivités sont clairement ouvertes chez nous depuis ce week-end. On essaye donc à grand renfort de boules de neige et de loupiottes qui clignotent de se mettre dans l'esprit de Noël. Alors je sais pas vraiment si ça marchait sur nous, mais en tout cas, il y a un petit bonhomme qui lui était ravi. Mais forcément, avec tout ça, eh bien, ça m'a laissé assez peu de temps libre pour bouquiner. Cependant, j'ai tout de même pu terminer hier lundi Un assassin au-dessus de tout soupçon. Donc forcément, il fallait que je revienne ici vous en toucher deux mots. Alors si je devais résumer, je dirais que pour moi, ce fut un livre dans l'ensemble plutôt agréable à lire, même si selon moi, cet ouvrage souffre tout de même de certains défauts. Le premier étant, comme je l'avais déjà évoqué, le ton employé et la construction narrative même de cette histoire. Puisqu'en effet, c'est une histoire qui nous est narrée de façon assez linéaire et avec un ton, comme je vous l'avais dit, très romancé. C'est vrai que tout du long, l'auteur très souvent nous décrit des passages où le tueur est seul chez lui, où il est seul en forêt. Il nous fait également part de dialogues entre gendarmes par exemple, lors d'une réunion ou autre, comme si lui-même était présent sur place, avait pu être témoin de ces échanges, ce qui est totalement faux. Et donc, par conséquent, on sait parfaitement à la lecture que tous ces passages, qui sont tout de même assez nombreux, hein, ne peuvent qu'être imaginés par l'auteur. Or, dans ce type d'ouvrage, il est tout de même important, voire même primordial, j'ai envie de dire, de croire en ce qu'on lit, puisque pour rappel, on y fait quand même part de faits réels. J'ai donc eu, je l'avoue, pas mal de soucis pour accrocher avec la narration, parce que tout simplement, pour moi, elle ne collait pas à ce type de livre. Ça manquait cruellement d'un point de vue journalistique qui soit plus factuel et plus objectif. Et en plus de ça, j'avoue que par moments, j'ai aussi trouvé le récit un peu long et un peu redondant. Je pense que cela est tout simplement dû au fait que l'on soit sur un récit chronologique très linéaire, avec la répétition en plus de ça de certains méfaits tels que les vols de voitures par exemple. Je crois qu'il y en a à peu près une vingtaine dans ce roman, une vingtaine que Lamar effectue. Donc autant vous dire qu'il y a une certaine répétition qui se met en place et qui faisait que parfois ma lecture était un peu poussive. Très sincèrement, je pense que si j'étais tout de même intéressée par cette histoire, c'est en grande partie parce que, comme je vous le disais, elle se déroule dans des lieux que je connais parfaitement, ce qui fait que durant ma lecture, tout d'abord, je visualisais totalement ce dont l'auteur parlait, puisque les lieux faisaient sens dans ma tête, je les voyais complètement. Également parce que, par le biais de cet ouvrage, j'ai eu cette espèce de sensation d'en apprendre un peu plus sur une part du passé de cette région dans laquelle j'ai grandi. En toute sincérité et en toute objectivité, je pense vraiment que si ce récit avait pris place dans un tout autre endroit, dans une toute autre région qui ne serait pas la mienne, je pense que j'aurais beaucoup moins apprécié cette lecture. Ivan Stefanovic a donc pris le parti ici de raconter à peu près une année de la vie d'Alain Lamar, une année durant laquelle il va plonger petit à petit dans le crime, durant laquelle il va basculer de sa vie de gendarme irréprochable et d'homme timide et propre sur lui à la vie d'un délinquant arrogant aux actes
incompréhensible. L'auteur parle plusieurs fois dans cet ouvrage de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, qu'il met donc en parallèle de la personnalité d'Alain Lamarr. Et c'est vrai qu'à la lecture, on se rend compte que cela semble bien caractériser cet homme. Il faut reconnaître hein, qu'il avait quand même cette capacité assez incroyable de vivre en parallèle deux vies totalement différentes et a priori totalement incompatibles. Il faut dire qu'il a pas mal été aidé également par la négligence et voire par moments l'incompétence totale des forces de l'ordre, que ce soit la police ou la gendarmerie. Et que, en plus de ça, la petite guéguerre entre policiers et gendarmes n'a fait que contribuer au fiasco total, j'ai envie de dire, de cette affaire, et ce qui a été aussi le cas malheureusement dans d'autres affaires judiciaires françaises. Je n'ai malheureusement pas été surprise d'apprendre toutes les manigances et les bévues pratiquées par ces deux services des forces de l'ordre, d'autant plus que cette histoire se déroule à la fin des années 70 et que j'imagine sans peine qu'à l'époque ce type de pratique et d'arrangement en interne devait être monnaie courante ou presque. Je suis par contre restée sur ma faim quant au profil psychologique et aux motivations de Lamarr. Je trouve que l'auteur n'a vraiment pas assez creusé cet aspect, ce qui fait que l'on a une espèce d'étalage tout du long de ses méfaits, mais que malgré ça, je n'ai pas réussi à comprendre et à cerner la personnalité de Lamarr, ni à comprendre ce qui a pu le faire basculer ainsi. C'était un homme en roue libre, totalement à la dérive, et qui en même temps semblait rechercher une certaine forme de reconnaissance. Et en même temps, en parallèle de ça, l'auteur laisse régulièrement sous-entendre que peut-être la figure paternelle aurait pu le décevoir, que le grand frère aurait pu représenter, lui, une espèce de figure de réussite trop présente et écrasante, qu'il aurait pu aussi avoir des idées parfois suicidaires, que certaines lectures auraient pu l'influencer. Bref, une espèce de multitude de pseudo-explications un peu mêlées et pas très claires, tant et si bien qu'au final, après avoir terminé cette lecture, tout ça, je trouve, ne permet pas de dresser un portrait psychologique solide d'Alain Lamarr et donne ce sentiment, au bout du compte, que ce type reste un espèce de grand point d'interrogation. Un assassin au-dessus de tout soupçon ne fut donc pas du tout hein, une lecture désagréable, loin de là, mais je trouve que, pour ce type d'ouvrage en tout cas, il a manqué un vrai travail d'enquête et de journalisme sérieux et approfondi. Ce livre, c'est un travail de compilation englobé par une plume sympathique et plutôt romanesque, mais c'est vrai que personnellement, j'en attendais plus. J'avais vraiment envie et besoin avec ce type d'ouvrage d'avoir quelque chose de plus solide et de plus fouillé. Vous l'aurez donc compris, hein, sans grande surprise, dans le genre récit de parcours d'un tueur, je trouve qu'American Predator est beaucoup plus réussi que celui-ci. La fin est très rapide et très abrupte, ça vous me direz, c'était aussi un peu le cas dans American Predator. Et j'aurais vraiment aimé en savoir plus sur la suite après l'arrestation de Lamarr, comment tout ça a pu être traité. Cependant, j'ai par contre beaucoup aimé l'épilogue, que je trouve assez piquant, qui ne manque pas d'épingler les dysfonctionnements et les petits arrangements du système judiciaire, de la police et de la gendarmerie. La conclusion, quant à elle, est juste aberrante. Enfin, en bref, pour moi, ce fut vraiment une lecture en demi-teinte, qui m'aura permis de revivre cette affaire pratiquement au jour le jour, mais qui ne m'aura pas permis de me faire une idée précise de cet individu qui, en fin de compte, semble presque avoir semé la peur et l'incompréhension totale dans cette région juste pour tromper, je dirais, l'ennui et le vide de sa vie. Et oui, que voulez-vous, il y en a, lorsqu'ils s'ennuient, ils font des mots croisés. Et il y en a d'autres qui apparemment aiment jouer au chat et à la souris avec les gendarmes tout en piquant des manioles, fomentant des hold-up et tuant ou estropiant au passage parfois quelques femmes au bord de la route. Chacun ses passe-temps.
Heureusement, celui-ci est loin d'être commun. Si je résume donc cette quatrième semaine, eh bien, je dirais que dans l'ensemble, ce fut tout de même une bonne semaine, voire, je pense, l'une des meilleures, puisque j'ai donc adoré vraiment ma lecture d'American Predator. Je ne peux que vous recommander ce livre si vous aimez ce type d'ouvrage, un peu de genre true crime, qui reviennent sur de véritables affaires. Celui-ci, vraiment tip-top. Celui-là, eh bien... Je pense que si, comme moi, vous vivez ou vous avez vécu dans cette région, ça peut forcément vous intéresser. Après, si ce n'est pas le cas, très sincèrement, je trouve que c'est une lecture, en tout cas dans ce genre littéraire, qui n'est peut-être pas indispensable. Après, il faut aussi noter que ce titre-ci date des années 80. On sent clairement qu'entre les deux, les choses ont évolué et que là, c'était un petit peu les balbutiements du true crime, il faut aussi le remettre dans son contexte de l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu vieillot, un peu dépassé, mais comme je le disais, ça n'en reste pas moins une lecture qui n'est pas désagréable pour autant. Et puis, donc, il me restait, dernière sortie pour Wonderland de Ghislain Gilberti, que j'ai quand même toujours autant envie de lire pour avoir une vision plus fouillé et plus clair encore de qui était en réalité Lewis Carroll. Donc celui-ci, c'est sûr, dans les mois à venir, il va tout de même y passer. C'est juste que là, je n'ai pas eu le temps. Et puis voilà, comme je le disais, au global, vraiment une quatrième semaine plutôt pas mal. J'embraye donc tout de suite sur, malheureusement, la cinquième et dernière semaine du Black November. Bien sûr, je continue de vous emmener avec moi dans ces vlogs du mois de novembre. J'espère donc que vous serez de nouveau au rendez-vous la semaine prochaine. Comme d'habitude, continuez à venir papoter avec moi en commentaire. Je sais que j'ai peu de temps en ce moment à me dégager, mais j'essaye tout de même toujours d'en trouver un petit peu de temps en temps par-ci par-là pour vous répondre et pour échanger avec vous autour de la lecture parce que juste j'adore ça. Donc vraiment, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me raconter peut-être comment se passe votre Black November ou si vous ne le faites pas, comment se passent vos autres lectures. Et puis jusqu'à la semaine prochaine, bien sûr, comme d'habitude, je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye !